Salut tout le monde, c'est Lucas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des cartes X. Donc oui, c'est moi qui ai mis la musique, oui. C'est un petit côté sympa, voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes 41 X, je crois. Donc ça va durer plus ou moins 30 minutes, hein, comme la précédente vidéo que j'ai complètement foirée juste à la fin. Ça m'a vraiment énervé, donc du coup, sur mon portable, sur mon smartphone, voilà, donc du coup, attendez, alors, je voulais juste vous montrer un petit truc. Ah, du coup, je vais pas vous donner mon numéro, mais sur mon numéro, et eh ben c'est, j'ai écrit sur le tournage. Voilà, donc sur le tournage, pour pas qu'on vienne me faire, pardon du terme, mais chier, hein, vraiment. Parce que moi j'aime pas, tu sais, tu fais la vidéo tout perfecte et puis à un moment, il y a quelqu'un, Salut, tu fais quoi? Le mec, et puis t'es là. Mais tu m'as foiré ma vidéo, mec! Ça fait, ah non, pardon, je reviendrai quand tu le feras après. Faire caca évidemment. Non mais le mec il vient vers toi comme ça juste pour te faire caca, hein, tranquille, hein. Le mec il entend pas que tu parles. C'est vraiment le bêtisier de l'année, quoi. Franchement. Et ça fait, et yo tout le monde, c'est Lucas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de 36 000 booster X. Ouais, et puis t'sais, ça fait, salut, tu fais quoi, tu ouvres des booster X? Je peux en avoir un, s'il te plaît? Je t'ai demandé de m'interrompre. Non. Alors t'arrêtes. Ok. Je vais me faire tuer, c'est ça? Oui. Oh. Oh my god. Voilà, donc je suis allée un peu loin pour quelqu'un de mort. Voilà. Donc on va continuer. On va continuer cette vidéo. On va commencer cette vidéo. Présentation de toutes mes cartes X. Hein. Voilà. Donc. Voilà. On commence avec Descendre X. Voilà. Donc c'est les turbos. Voilà. Donc j'en vote un peu. A chaque fois, je vais mettre une petite musique pour vous faire comprendre qu'on change de thème. Hein. Voilà, donc c'est Descendre Turbo. Je pense que vous avez eu assez de temps pour l'admirer. Alors, attendez. Attendez. Quand ça change, il y a ça, d'accord? Par exemple, quand on passe des turbos Omega. Voilà, donc je vais mettre le son assez fort. Voilà. Donc ça va faire à chaque fois. Ouais, ça va faire. Voilà, donc je vais le faire. Voilà, donc là je l'ai fait, donc ça compte pas. Nous continuons avec 2 Megalatios. Essayez de deviner la différence. Donc, dans 10 secondes, si vous n'avez pas trouvé, je vous dis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je sais pas comment on dit zéro, donc je dis comme ça, voilà. Donc, la différence, c'est que celle-là est en français, comme vous l'avez peut-être remarqué, et celle-là, elle est en anglais. Voilà. Donc, c'est les deux pareils. Je peux juste en vous montrer une. Qu'est-ce que ça veut dire, Lucas? Cours de français, s'il te plaît. On continue avec un Demolus X. Voilà, mais franchement, je vous le dis devant vous, j'aime bien ces écritures là. C'est vraiment pas mal.
On a en plus un bon illustrateur. C'est Thief Ban Graphic. Voilà, donc c'est assez bien, je pense. En plus, c'est lui qui fait quasiment toutes les ex. Lui, c'est lui. C'est pas lui. Et toutes les méga, c'est quasiment que lui, quoi. Ok? Voilà. Donc, on continue avec un méga Tyrannosif X. Voilà, donc, qui provient de l'origine antique. Nous continuons avec un Primal Gourdon X. Donc, celui-ci provient aussi de l'origine antique, que j'ai cru que c'était une secrète. Nous continuons avec un méga Rayquaza X. Est-ce que vous voulez? Ils sont bons, mes poivrons. Allez. Voilà, donc 98 sur 98, ça pourrait être une secrète si ce gros caca, donc je sais écrire caca, C-A-C-A, d'accord, 99, si ce serait 99, ce serait une secrète, ok? Voilà, donc, origine antique, Mega Rayquaza X, donc c'est un autre Mega Rayquaza. Celui-là n'est pas Full Art et Shiny Full Art. Donc, il provient de Ciel Rugissant. Je parle comme les journalistes. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo que j'ai effacé. Voilà, donc, Mega Mewtwo X, qui provient de Impulsion Turbo. J'adore ses écritures. Est-ce que vous aimez les écritures? Je vais peut-être lancer... Vous pourrez dire dans les commentaires votre avis. Donc, vous mettez... Si vous répondez, s'il vous plaît, vous mettez le hashtag. Si vous répondez, oui, non, non, c'est un peu nul, oui, super beau, I love, bah, vous mettez le hashtag écriture japonaise méga. Je vous demande beaucoup de choses, je suis d'accord. Mais vous vous renseignez, voilà, vous essayez d'écrire le hashtag, comme ça je peux trier les commentaires aussi. Comme si on reçoit du courrier, des commentaires. On continue avec un Mega Junko X qui provient de origine antique. Donc, qu'est-ce que ça dit ça? C'est qu'on change. Voilà. Donc ce n'est plus des mégas. Voilà. Donc, ce n'est plus des mégas. Ce n'est plus des mégas. Donc. Je viens de vous le dire, ce n'est plus des méga, c'est des ex. Non, on va plutôt faire ça quand ça change. Non, c'est nul, j'avais oublié. Mais c'est nul, j'avais oublié. On va mettre ça. Je crois que ça aussi, c'est légèrement pourri. On reste sur Popcorn, d'accord? Donc si vous voulez savoir sur quelle sorte d'iPhone c'est, vu que c'est mon iPhone, hein, voilà. Donc, je sais pas. Moi, j'ai le 4S. Donc, voilà, oui, je suis encore vieux. Il y a le SE qui est déjà sorti. Et puis, voilà. Donc, je pense que déjà, à 11,5, c'est déjà un luxe d'avoir un iPhone, d'accord? Un iPhone. Impulsion. Ça, ça correspond pas à des impulsions. Non, je plaisante pas. Voilà, donc on reste sur... Voilà, et puis il y a quelqu'un qui veut rester avec vous. Il arrête pas de chialer depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous l'entendez. C'est Salamès. Salamès. Il vous surveillera toute la vidéo. Hein. C'est lui qui m'a dit... S'il te plaît, je veux surveiller tes copains toutes les vidéos. Il m'a dit ça avant la vidéo, donc il a dit « Je veux regarder toute la vidéo !» Tu vois bien, hein, ça la mèche, hein. Oui, oui. Voilà. Donc on continue avec un Latios X. Je sais pas de quelle collection il provient, comme la prochaine carte. Voilà, donc Latios X. Et putain, c'est du tout autre chose, c'est de l'allemand. Vous voyez ça passer? Attendez, je vais voir si moi je vois passer.
on va passer. Donc on continue avec un Adias Exploit. Voilà, donc on fera aussi les illustrations de booster. On continue avec un Kurin Blanc. X. Voilà. On continue avec Treasure X. Donc j'ai aussi la carte Jumbo. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo que j'ai effacée. Voilà. Donc vous voyez, c'est vachement plus gros. Désolé, ça la mèche, tu peux pas tout surveiller là aussi. Treasure. Donc Magmar. Magmar. Donc là je vous fais pas un. D'accord. Voilà. Donc c'est écrit pareil. Voilà, c'est... Je vois pas à quoi elle veut. Je vois pas à quoi elle sert ces jumbo. Ça sert à rien du tout. On continue avec un autre Treasure X. Promo. Je respire un peu bizarrement. Désolé. Nous avons un Dracolos X qui provient de Poids Furieux. Magnifique carte, vraiment. Mais c'est pas ma préférée. Si vous voulez, si vous insistez dans les commentaires, je vous dirai quelle est ma carte préférée. Quoique, je peux déjà vous dire, on a déjà passé. Donc, je peux vous en révéler une. Pour moi, ma préférée se joue entre Mega Rayquaza X ou Primo Groudon X. Pour moi, ça se joue entre ces deux. Mais ces deux sont magnifiques. Nous continuons avec un Démolos X issu d'Impulsion Turbo. Donc vous vous dites peut-être, what, les collections n'ont rien à voir les unes des autres. Donc vous vous dites sûrement ça. Je sais pas, mais moi je me dis pas ça. Voilà, donc ma lampe ne marche pas, super, yahoo, sympa. Voilà, donc on continue avec un Reshiram X. Vous allez me dire que c'est pas X, mais il y a la petite étoile argentée. Voilà. Vous êtes des bébés. D'accord, je vous montre. Allez les bébés, ça vous montre. Oh. Oh. Voilà. Je vais pas faire le bébé tout du long, d'accord. Vous pouvez aussi me lancer des gages, par exemple. Si t'as pas plus de 40 X ou... Si t'as plus de 40 ex, tout ça, vous pouvez lancer des défis si vous voulez. Hein, pas de problème. Non. Moi, je les relève volontiers quand j'aurai vu les commentaires. Il faut déjà que je publie mes vidéos, d'accord. On continue avec un McConnor ex que je vous ai ouvert, hein, que je vous ai décelé avec sa Pokébox. Donc, je vais pas aller la chercher quand même. Hein. C'est pas que c'est loin, mais c'est que c'est énervant de... C'est énervant, vous voyez. Voilà. Donc, ça provient de la Pokébox que je vous ai ouverte. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous ai ouvert la Pokébox pour voir que j'ai raison. Et au cas où, comme je vous avais dit dans l'annonce, eh ben, y aura une ouverture possible de display. Donc, moi, je pense que je ferai en trois fois. Ou en deux fois. Ouais, en deux fois, ça fait 18 boosters. Ah, mais déjà, pour présenter des cartes, je suis long, donc... je pense que je vais faire en trois parties. Mais 6 parties, ça ferait 6 boosters à la fois. Mais je pense que si je vous offre une display, je vous souffre. Non, si je vous ouvre une display, je pense que ce sera une impact des destins. En plus, j'ai vu les prix, c'est pas mal. Voilà, on continue avec un Dialga X qui provient de je ne sais collection. Donc, voilà. On continue avec un Rayquaza X Full Art qui est issu de la collection Ciel Rugissant. On continue avec un Kowatox X allemand de XY Étincelle. On continue avec un Lagron X promo
Donc j'ai sa Pokébox, je vais pas aller vous la chercher. Ça fait trop d'aller. Donc j'ai 4 Pokébox, j'ai la Macogneur, la Oupa, la Lagron et la Torterak. Nous continuons avec un Curem X de origine antique. Nous continuons avec un Vaporeon, plus simplement un Aquali, issu de la collection. Il me semble que c'est Rupture Turbo. C'est Rupture Turbo, pas besoin de m'énerver, c'est bon. C'est Rupture Turbo. Voilà. Alors, nous avons ici un Omniglalie X issu de la collection Impulsion Turbo, vu qu'il y a le totem de Koh-Lanta, d'accord? Totem de Koh-Lanta. Ouais, c'est le totem de Koh-Lanta. Voilà. Donc, c'est une atteinte à la vie de TF1. Mais oui! Dès que je bouge, j'aurai une pip-pip. Tu vois, c'est un très bon détecte voleur, ce truc. Hein. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi ce que je viens de faire. On continue avec un Tortank X. J'ai sa Pokébox ici, je viens de vous la citer. J'ai pas envie d'aller la chercher. Donc, continuons avec un Manaphy X. Issu de quelle collection? Aucune idée. Nous continuons avec un Lugia X. Issu de origine antique. Donc, à gauche, la version full art, et à droite, la version normale. Voilà. Nous avons... Nous continuons avec Mantali X, de la collection Impulsion Turbo, Jean-Marc Turbo, quelque chose Turbo. Non, mais je crois que c'est... Je sais pas, c'est peut-être Rupture Turbo, je sais pas. Ah oui, je crois que c'est Génération. Mais oui! Attends. Je suis pas sûr que ce soit Génération. Nous continuons avec un Oupa X. Promo, j'ai sa Pokébox, mais je veux pas vous la montrer parce que ça fait trop de détours. Je viens de vous le dire! Nous continuons avec un Mewtwo X. Provenant d'Impulsion Turbo. Ouais, c'est ça. Nous continuons avec un Florisa X. Issu de XY. Donc XY de base, on va dire. Nous continuons avec Junko X Full Art. Issu de origine antique. Nous continuons avec un Emolga X. De XY de base. Vous demandez pourquoi j'ai fait la voix comme ça. Mais c'est toujours moi. Non, d'accord. J'arrive à la changer n'importe comment. On vient de changer. Voilà, donc, on est entré dans les X. Et on va vite en sortir, je vous le dis. Donc, c'est Élecable X, en provenance des boosters platine, apparemment. Nous continuons avec un Dracaufeu X, issu de la même collection que ce gentil petit Élecable. On vient de changer, parce qu'on est dans les secrètes. Enfin, dans les secrètes. Ça, c'est un Megani. Donc, je sais qu'il y a Germignon, Macronium, mais je sais pas la dernière évolution de Germignon. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On continue avec un Chandelure secret. Parce que là, c'est 101, et là, c'est 99, et il y a la petite étoile. On est entré dans les supporters. Alors, on va très très vite se quitter, les amis. Désolé. Voilà. Donc, c'est Iris, en provenance, qui vient de la ville de XY de base. Voilà. Donc, je vais aussi vous présenter les illustrations de boosters. J'aime bien ce petit bruit.
Ah ouais, on peut le faire. Non, parce qu'on change. C'est juste une booster. Donc, il y en a qui sont bien décapités, il y en a qui sont perfects. Il y en a, ils sont tranquilles. Au calme. Donc, si vous voulez tout savoir, moi, j'ai pas de choses spéciales dans ma collection Pokémon. On va dire Pokémon, parce que moi, j'ai pas assez de souffle pour dire Pokémon. Non, je plaisante. Ça, c'est des boosters X, apparemment. Mais il y a la grosse arnaque. C'est écrit X ici, sur Akalin. Oui, il est bien... il a bien morflé. Donc voilà, sur ces deux illustrations, c'est écrit X, mais il n'y a pas du tout de X sur le truc. Hein. Tranquille. Voilà. Et j'ai une illustration de Étincelle, c'est Mega Drake X ou Y. Hein. Voilà. Donc j'ai Poémal Clash. Donc Primo Choc. J'ai Mega. Oh, Primo Kyogre. J'ai Primo Groudon. J'ai Mega Galeking deux fois. On change avec Point Furieux. J'ai Mega Lucario. Et Mega Scarino. On continue avec Ciel Rugissant, j'ai Galam, enfin Mega Galam, Mega Latios, Deoxys. J'ai encore Mega Galam, j'ai Mega Rayquaza, et j'ai encore Mega Galam. Apparemment, j'aime bien les Galam. On continue avec Origine Antique. Voilà, donc Mega Tyranocif. Ou pas forme déchaînée. Ou pas forme déchaînée. Primo Groudon X. Enfin, Primo Groudon Shiny. Primo Groudon Shiny. Primo Groudon Shiny. Primo Groudon Shiny. Je ne bug pas. Mega Rayquaza X. Enfin, Mega Rayquaza Shiny. Mega Rayquaza Shiny. On change. On va dans Impulsion Turbo avec Mega Démolos. Encore Mega Démolos. Mega Mewtwo Y. Zoroark Turbo. Mega Mewtwo X. Mega Mewtwo Y. Et c'est tout. On va dans Rupture Turbo. Avec Mega Léviator. Amphinobi Turbo. Mega Scizaiox, Amphinobi Turbo, Mega Monsieur, on va dire comme ça. Non, je plaisante. Mega Léviator et Luxray Turbo. Pardon. Nous continuons avec Génération. Nous avons Pikachu, Dragonflamme, Tortank et Florizarre. Alors, nous avons les Hard Gold Soul Silver, donc j'en ai deux, c'est Dolophan et Lugia. Nous continuons avec les Hard Gold Soul Silver Triumphed, avec Elekable et Palkia. Nous continuons avec les Platine Arceus, avec Dratake et Arceus. Nous continuons avec les Platine Ultimate Siégeur avec Absol et le petit Rayquaza. Sauf qu'il est pas si petit que ça. On continue avec Ruf der Légende avec Groudon et Deoxys. Et on finit avec les Hard Gold Soul Silver. Alors, je vais essayer de bien les dire. Une Erschronrocken. Donc nous avons Ermure, Rayquaza et
Voltali. Donc moi, je sais pas comment vous disiez. Vous disiez, mais j'ai le vote de français trop débile. Ça m'énerve. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous n'hésiterez pas à lâcher un petit pouce vert. Ça ferait vraiment plaisir pour moi et pour ma chaîne. Enfin, ça ferait pas plaisir à la chaîne. La chaîne elle n'est pas vivante, d'accord. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ma petite introduction. Pardon, ça c'est pas la bonne musique. Comme cela. Avec cette musique, je sais pas si vous connaissez, je vous donne le titre, Don't Worry Medcon. Cette musique, elle est vraiment pas mal. Donc, je vous conseille de l'acheter. Moi, c'est pas un encouragement commercial, mais moi, je trouve que c'est une très bonne musique. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'acheter sur cette petite application de caca, hein, qui s'appelle iTunes Store. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à... What? J'ai le protège. J'ai le truc qui protège mon portable dans ma poche. Ok. Faut juste le recoller, ce machin. Hein? What? Tu te calmes, hein? Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'hésiterez pas à liker, à lâcher un petit com et à me suivre évidemment sur Twitter. Donc je vous donne mon adresse, enfin mon adresse. Mon Twitter c'est Miladzoluca. Et puis j'ai pas mon Twitter sur moi. C'est, oui je sais, j'ai pas pris sur mon portable. Et puis qu'est-ce que ça fait? Voilà, donc j'aime beaucoup un club qui s'appelle le... Oh, mais... Le FC Barcelone. Donc je vous donne juste l'image. Alors, je vais pas vous montrer toutes mes autres photos, je fais pas « Regarde ma life !» Hein, je fais pas comme ça, moi. Alors, ok. Alors, je vais juste vous montrer l'écusson, parce que moi, je crois que je l'ai sur moi. Non, malheureusement, je l'ai pas sur moi. Mais non, je peux prendre un... Je peux vous montrer sur un maillot d'un joueur si vous voulez. Si ça vous intéresse de suivre mes vidéos. Voilà, c'est un écusson comme ceci. Voilà. Donc j'ai fait plus ou moins mon mieux pour pouvoir vous montrer. Voilà. Et on fait aussi un petit coucou à David. Hein ? Salut David, hein. Oui, je sais. Tu sais que nous aussi, on comprend pas comment on peut mélanger des Pokémon. Mais je vous encourage à aller regarder cette vidéo, elle est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien rigolé. Il a fait ses combinaisons, genre par exemple, je sais pas, Tortank avec Nosferapti ou. Mais c'est des combinaisons de ouf, quoi. Donc, il y a le site dans sa vidéo. Je crois que le titre c'est On fusionne des Pokémon. Sur un site, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous n'hésiterez pas à liker, lâcher un petit com et me suivre sur Twitter. C'est Miladzoluca et je viens vous montrer. Ciao tout le monde, je sais ce que je me répète. Ciao tout le monde et salam, je te veux dire au revoir. Ouais. Évidemment, c'est moi. Hein. Ciao.